Je me permets d'émettre, avec une profonde formation humaine et chrétienne, des éclaircissements regardant notre temps actuel. Mais enfin, que se passe-t-il dans notre monde? Cela mérite une explication, mais c'est très simple et je vous le développe. Il y a plusieurs siècles, l'empereur Constantin désirait créer un nouvel ordre mondial, car l'Empire romain commençait à s'effriter. Voyant que le christianisme devenait une entité dominante, il l'a pris comme pilier de son ambition politique. Afin de concrétiser son objectif, il convoqua le concile de Nicée en 325. Il prit soin de conserver les anciennes religions païennes pour ne pas heurter aux diverses sensibilités. Le gnostisme, le zoroastisme, le mithraïsme, ainsi que des pratiques de religion babylonienne et égyptienne. Ce syncrétisme religieux prit le nom de catholicisme, en grec « catholikos », qui signifie « universel », et fut sous l'autorité papale qui commençait à prendre du pouvoir et de l'argent pour s'affirmer définitivement au courant du 9e siècle. Cette tour de Babel dura un certain temps. Il y avait également dans l'Empire la monnaie unique. La hiérarchie catholique romaine, maîtresse en la matière, inventa une série de légendes autour de l'empereur Constantin. N'est-ce pas l'Église catholique romaine qui écrivait l'histoire en ce temps-là? Je voudrais préciser que sur la place Saint-Pierre, il y avait un obélisque égyptien, et pour cacher aux chrétiens la véritable attention du Vatican, ils dressèrent à son sommet une croix. Mais aujourd'hui, le monde a oublié d'être bête. Dans le musée du Vatican, il y a des momies égyptiennes et objets ayant appartenu à l'ancienne Égypte. Lorsque les papes se faisaient promener sur la Sedia Gestatoria, il y avait les flabelli, genre d'éventail en plumes d'autruche, que les pharaons de l'ancienne Égypte utilisaient également. Ceci disparaîtra avec la réforme liturgique en 1962. Le monde en éveil et en évolution n'aurait plus accepté ces pratiques. Aujourd'hui, un autre groupe, les Illuminati, société secrète où les puissants de ce monde se retrouvent en catimini régulièrement pour décider du destin de l'humanité. Le fondateur de cette société est Adam Westhaupt, 1748-1830, originaire de Bavière, où il suivra également l'enseignement des jésuites et deviendra professeur de droit canonique à l'université d'Ingolstadt. Un groupe se formera, Bilderberg, où David Rockefeller en sera le cofondateur. Ce groupe comprend les Bush, les Rothschild, les Harriman, les Russell, les Dupont, les Windsor et d'autres familles royales européennes. Pour terminer, le pape de Rome retrouvera comme au IVe siècle son rôle de chef et de guide dans le syncrétisme religieux.